gros sujet sur l'installation qui nous anime en ce moment, c'est la transmission. Parce que c'est pas le tout de vouloir installer, mais il faut aussi que pour ça, il y ait des terres qui se libèrent et donc des gens qui partent à la retraite. Premier point. Et donc, premier point, ça, c'est d'agir sur les retraites. C'est pour ça qu'avec l'AFNSOA, on mène un combat autour des retraites pour la revalorisation des retraites à 85% du SMIC. C'est la première étape. Si demain on va investir sur les jeunes, il faut que nos anciens ils partent sereinement à la retraite. Et ça, c'est non négociable. C'est pas normal qu'aujourd'hui les agriculteurs et les agricultrices, qui sont encore pires, soient vus, soient tirés vers le bas au moment de la retraite. C'est non négociable. Donc aujourd'hui, 85% du SMIC, c'est le minimum pour pouvoir partir dignement à la retraite et céder correctement son exploitation à un jeune. Et derrière, il va s'enclencher plusieurs processus qu'on est en train de travailler avec le réseau sur la transmission et donc de pouvoir aussi avoir des transmissions étalées, ce qu'on pourrait parler éventuellement de parrainage.